Bonjour, je m'appelle Madame Inès Panou, chef des finances et de la conformité financière de Sanru. Aujourd'hui est un jour spécial, non seulement pour Sanru, mais aussi pour les femmes de Sanru, en cette journée internationale de la femme. Le thème d'aujourd'hui est en phase avec la vision de l'organisation en termes de numérisation. Et les femmes sont représentées à un pourcentage élevé à Sanru, surtout dans des rôles clés de décision. Sanru est dans un processus de numérisation depuis plusieurs années de ces processus et ces systèmes, et les femmes jouent un grand rôle dans l'atteinte de ces résultats. Pour l'autonomisation, à travers toutes les activités de Sanru, dans les zones de santé dans la République démocratique de la RDC. Des activités sont menées par des femmes et nous avons atteint des résultats très promettants pour cette année qui se poursuivent. Alors, l'égalité des femmes a toujours été un sujet mondial avec beaucoup d'attention. Les choses ont beaucoup changé depuis le droit de vote des femmes. Mais il y a encore du travail à faire dans la responsabilisation des femmes et surtout dans la reconnaissance de leur rôle. Les femmes, à Sanru, les femmes jouent un rôle extrêmement important, d'abord par leur position, mais aussi par leur nombre. Nous avons un nombre significatif de femmes. Nous sommes fiers de dire que beaucoup des résultats de l'organisation ont été atteints à travers le leadership féminin. Cependant, il y a un grand travail encore à faire dans la reconnaissance des femmes, dans leur rôle de leader. Il y a un grand travail à faire encore dans l'attribution de plus de responsabilités aux femmes au niveau mondial et au niveau du pays.